Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Chinformi News. Première indication opérationnelle concernant la régularisation que permettra aux employeurs du 15 septembre au 15 octobre de déclarer l'existence de rapports de travail irréguliers. À partir du 7 septembre, seront actifs les codes fiscaux créés par l'Agenzia delle Entrate pour le paiement de la contribution forfaitaire de 1 000 euros au moyen du modèle F24. Le modèle de paiement est disponible sur le site internet de l'Agenzia delle Entrate et sur le site du ministère de l'Intérieur, du Travail, de la Coopération internationale et de l'INPS. Plus de détails dans le speciale régolarizzazione du site www.cinformi.it. Les travailleurs étrangers qui ont fait un travail accessoire en 2011 et qui ont utilisé un voucher, c'est-à-dire le bon de travail, sont 27 000. Il s'agit du 13% de tous les sujets encadrés en Italie avec cette typologie de travail. Le numéro de citoyens immigrés qui a utilisé en 2011 le système de voucher a presque doublé par rapport au 2010. Ces données émergent par une recherche réalisée par la Fondation Leone Moressa. Nous rappelons que la réforme du travail prévoit que les rémunérations du travail accessoire soient valides pour le décompte des revenus requis pour la délivrance ou le renouvellement du permis de séjour. Le Conseil provincial de Trento a approuvé le projet européen For It, formation italien. Cette initiative prévoit des cours de formation linguistique et d'orientation civique et est adressée aux citoyens des pays tiers titulaires d'un régulier permis de séjour qui vivent sur le territoire provincial. Le projet sera réalisé par le Cinformi en collaboration avec le service instruction et avec le support du service Europa. Les bénéficiaires du projet seront en particulier les étrangers appartenant à des groupes sociaux spécifiques comme les femmes, les analphabètes, les handicapés et les personnes âgées. Ce projet sera réalisé avec la collaboration de la province, certaines collectivités locales et les centres EDA, les centres pour la formation des adultes. Plus de détails sur le site du Cinformi. La rentrée à l'école maternelle a eu lieu en Trentin. Les enfants inscrits à cette année scolaire sont environ 16 000. Les inscrits d'origine étrangère sont plus de 2 000 et représentent presque le 13% du total. L'augmentation par rapport à l'année scolaire précédente est de 7,1%. La plupart des jeunes nouveaux Trentins viennent des pays de l'Est européen avec une présence importante de l'Albanie et de la Roumanie. Importante aussi la présence d'enfants provenant des pays de l'Afrique, avec une forte prévalence de ceux qui viennent du Maghreb, suivis dans l'ordre par les enfants provenant de l'Asie et de l'Amérique du Sud. C'est la fin de cette édition de Cinformi News. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.